Radio de nuit, entend le ronron de la nuit. J'aime un méchant petit gars qui fait la gare. Donc alors comment ça s'est passé pour vous cette journée déjà? Il y a eu du monde, c'était intéressant? Oui, il y a eu une bonne affluence. Oui. Et les questions que vous avez posées? C'est plutôt en fait les questions de terroir, cépage, tout ça sur des renseignements et aussi pas mal pour l'accompagnement, les vins et les plats. Et vous avez été formé avant un petit peu quand même? On a eu deux demi-journées de formation. Ça vous a apporté? Oui, oui, oui. Pas mal, oui. Parce que quand on n'a rien du tout, ça apporte au moins une bonne base. Quoi. Très bien, bah merci. Alors, comment avez-vous vécu cette journée-là? C'était intéressant? Très intéressant, très instructif. Très passionnant. On a appris le commerce, on a exercé, on a pratiqué les techniques de vente. Alors, quelles sont les questions qu'on vous a posées? Surtout sur le cépage, les différences entre les différents cépages, les goûts aussi, avec quoi on mariait les vins. Surtout avec quoi on mariait les vins et les aliments qu'on pouvait mettre avec, les plats et ces choses-là. Et sur les questions techniques, etc., un peu non, moins. On n'a pas trop eu. Pas trop, non. Bah, on a dû avoir un ou deux, même pas trois. À peine trois grands maximum qu'on a renvoyés directement vers les professionnels qui nous encadraient. Voilà. Et au niveau de la formation que vous avez eue pour participer à cette journée? 4 heures. 4 heures hein. Deux fois 4 heures. Géo-viticulture, on a fait 4 ouais. heures. Pendant l'après-midi et dégustation. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Ce qu'elle nous apporte, c'est un enrichissement, ça permet d'étendre nos connaissances en général, et puis discuter avec des gens autour sur le vin. Comme un repas de famille. Bah ouais, surtout sur un repas de famille maintenant. On va dire, quand on parlera de vin, on parle. Et quel est le but pour vous final d'être ici, de présenter Il y a un potentiel professionnel derrière? Non, c'est plus pas du tout. C'est plus pour financer un voyage d'études. Non, d'accord. C'est surtout aussi pour mettre en valeur ce que tu as appris. Quoi. Parce qu'on a appris les techniques, tout ça. Voilà. C'est vrai que là, on a vraiment un cas concret de ce qu'on a vu en cours. Comme le miroir aux alouettes, d'ailleurs. Très bien, bah, merci. Donc bonjour, comment vous avez vécu cette journée? Oh, plutôt bien, très intéressant. Alors, quelle question vous a posé en règle générale? D'où venait le vin, son cépage et puis aussi comment on mange, et puis d'où on vient notre lycée en fait. Ouais. Voilà. Si on est d'originaire du Côte du Rhône bas, qu'est-ce qu'on faisait comme étude? Notre formation. Et vous avez été un petit peu formé avant de faire cette journée-là? Oui, on a eu une journée justement où on a appris ce qu'était le cépage, le terroir, voilà. Et puis une après-midi, on a dégusté du vin à Montreuil, mon préféré. Très bien. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, alors Christophe Minard, proviseur du lycée viticole de Montreuil-Bellay, mais également ancien enseignant de viticulture et de dégustation. Alors le but et la raison de cette manifestation? Alors au lycée d'Angers-le-Fresne, c'est la première foire au vin des lycées producteurs qui regroupe les vins d'une douzaine de lycées producteurs de toute la France, des grands vins du Bordelais, de la Bourgogne, de la Champagne, de l'Alsace, de la Vallée-du-Rhône et bien sûr du Val-de-Loire. Et c'est avant tout une manifestation pédagogique, c'est-à-dire que nous avons des étudiants à côté de moi qui sont en formation BTS et qui pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, sont dans une situation professionnelle, concrète, de vente d'un produit à des clients nombreux et variés aujourd'hui. Et comment a été reçue par les élèves cette envie de... Alors ça a été très bien reçu par une quinzaine ou une vingtaine d'étudiants qui sont tous volontaires pour venir organiser cette foire. Et ça a été très bien reçu aussi par l'équipe pédagogique au sens large du lycée d'Angers. Moi je ne suis pas tout à fait d'Angers, hein, je suis même de Montreuil-Bellay on va dire. Les personnels du lycée d'Angers étaient tout à fait favorables à l'organisation de cette manifestation. Et ils sont très présents et ça se passe vraiment très bien avec ces étudiants encore une fois volontaires et qui ont eu quelques heures de préparation à ce qu'est le vin. À ce qu'est la dégustation et qui, avec ce petit vernis, se sont très très bien débrouillés aujourd'hui. Très bien, merci.